La Foire du Livre de Francfort est le rendez-vous annuel de l'édition internationale. C'est l'endroit par excellence où l'écosystème du livre voit son expression dans sa plénitude. Cette année, la France a été invitée d'honneur de la Foire du Livre de Francfort. C'est énorme parce que la France est une grande terre de culture, une grande terre d'accueil et une grande terre riche de sa culture et de l'accueil des cultures. Ce moment d'échange est incomparable. Pour moi qui étais éditeur, éditrice dans ma vie, je sais que c'est à ce moment-là qu'on rencontre les autres, on voit ce qu'ils ont publié, comment on pourrait enrichir la littérature en France, des œuvres de ces pays-là. On ne peut pas rester sous sa propre culture. C'est Paul Venn qui disait que ce serait un véritable éténoir. On ne s'enrichit que des autres et qu'avec les autres et par ces échanges. Donc il y a cette notion d'essaimage, d'irrigation, de transversalité, d'échange, de connaissance de l'autre. C'est parce qu'on connaît l'autre qu'on peut s'entendre aussi avec lui. Donc tout ça se fait et c'est important aussi que la France soit reconnue dans cette excellence et ce talent-là, parce qu'il n'y a rien à faire, mais la littérature française, elle a marqué de tout temps et de nombreux pays même continuent. La francophonie est une chose très très importante et à porter, le nombre de francophones ne va faire qu'augmenter. Il faut l'habiter et la porter haut et fort aujourd'hui. C'est une chose fondamentale pour continuer à défendre l'exception culturelle française et l'exception culturelle en général dans le monde entier.